Bonjour la famille. Guilmas toujours pour une analyse organique. Titre déjà, il est là. Oh. Je viens de suivre une dame qui appelle les gens qui supportent Nicki Minaj poubelle. Je sais pas si c'est elle s'adressait à Nicki Minaj ou à qui, mais elle a dit quand même à sa poubelle. N'a coupé ça dans nos binots tout bamboté. Kialos TV, Pesio bamboté à trop. On a MLTV News bamboté. Heritage TV bamboté. C'est votre nom, Kogilmas. Muyomba ya batoto. Soko za na mwana yibake na za noko na ye. C'est ça. Mais combat oyo soki bolingie continue. Ko continue. J'ai toujours dit qui veut la paix prépare la guerre. Vous avez voulu le feu. Voici affaire de Nicki Minaj. Vous avez voulu, vous avez cherché, vous allez trouver. On a toujours dit qui cherche trouve et qui trouve supporte. Qui est poubelle? D'abord, qui est poubelle? Maman Bomolo, je vais t'appeler maman parce que je t'aime trop. Je vais te donner d'abord salut par là où tu es. Qui est poubelle, maman? Je pense que c'est Bomolo. Je pense que c'est Bomolo. Et là, ici, là, c'est gonflé, il a les mains gonflées là, c'est comme si il y a des seins déjà ici sur les mains. Je pense que c'est elle Gomo. Je vais mettre la photo ici. Mais maman, j'aime ça. J'aime ça quand les gens attaquent ma sœur. J'aime ça quand on l'attaque. Je deviens un homme vraiment agressif automatiquement. Ça commence à monter. Je vais chauffer mon sang. Il faut que je chauffe mon sang pour que je réponde à la dame ici. Mon sang, il faut chauffer. Si tu ne chauffes pas, mon sang, si tu ne chauffes pas, je vais prendre le vin. Je vais boire et puis je vais répondre à la maman ici. Mais je pense qu'elle n'est pas au niveau du vin pour que je la réponde. Je pense que si vous la regardez bien, si vous regardez la dame ici bien, bien, elle est comme le lit de l'hôtel. Mbete ya hôtel, la dame là. Mutu nyonso akoya akoleka na ye. Mwasi oyo babengaka ye mama wana. Namona ye déjà na ba combat ya kala wana, combat cage ya 2021. Namona ye. Je me rappelle kaza mwasi moko azala kanebula. Mwasi ya pamba pamba nde aza koya kufinga batu poubelle. Ye nanu ye moko aza poubelle. Esika mobali nyonso. Tous les hommes qui n'ont pas de vie ici au Canada, c'est là où ils vont se décharger. La dame là, je l'ai connue, avec elle a comme les mains ici, ça se démolit, il y a comme des seins. Moi si à mon colo, une dame qui vieillit déjà, elle est dans le vieillissement, elle n'a même pas l'état de chercher les moments, elle est en train de courir dans les retraites. Elle est proche du retraite, mais c'est elle qui veut faire palabre. Quand je t'ai regardé, maman Bomolo, ça m'a fait pitié. J'ai pitié de toi. Et maman Mukolo, tu deviens comme un Mukala. D'une dame, je vais te dire, Niki. Toi, tu dis Niki Minaj est poubelle. Soit les gens qui suivent Niki Minaj sont des poubelles. Ta boss, là, ta patronne, ta présidente, la danseuse de Fali, elle était au podium de Fali, donc c'est la danseuse de Fali. Autrement dit Gomoro, d'autres personnes l'appellent Gomoro, d'autres tomates, mais ça s'appelle Nana Ketchup. La dame là, avant qu'elle soit avec Fali, est-ce qu'elle n'a pas été avec quelqu'un? La dame là, avant d'être avec Fali, est-ce qu'elle n'a pas été mariée avec un blanc, je sais pas, en Allemagne ou quelque part? Vous pensez que c'est Nana qui est vraiment là, donc c'est un ange, c'est elle vraiment la vierge, la personne la plus protégée, la plus saine. Attention maman, attention.
Je t'ai donné du respect pour t'appeler maman, mais je ne pense pas que tu as même la valeur d'être une maman. Tu n'as même pas la valeur là. Mais je t'appelle quand même maman dans la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, je vais te gâter. Je te promets, je vais te gâter. Je vais te gâter. Tu auras des réponses les plus dures, les plus secs. Nana Ketchup, que tu veux valoriser. La dame là, elle avait quitté Fally. Puisque Fally était pauvre. Fally n'a jamais été grandi dans une famille riche. Il reconnaît ça. Tout le monde le sait. La Nana Ketchup avait fui Fally à cause de la galère. Elle était mariée à un blanc. Je passe en Allemagne. Combien de banabimisa? Combien d'affaires il a levé? Si tu as oublié, demande à Sarah Tola. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où Sarah Tola a dévoilé la vie de Nana Ketchup. Sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne vante rien. Demande à Sarah Tola. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Ma chaîne, c'est Chronique du Net. Je peux parler de tout, sauf rien. Je suis reconnu par YouTube as Chronique. Et je suis... pour moi, c'est Chronique du Net. Je vais parler de tout sauf rien. Sarah Tola a démoli Nana Ketchup sur les réseaux aussi. Qu'elle était mariée à un blanc. Pourquoi elle était mariée à un blanc si Fally était vraiment son amour d'enfance? Parce que Fally n'avait rien. Mais quand le blanc l'a jeté, le blanc a vu que ça, ce n'est pas femme. Elle ressemble à un garçon le matin. Sans maquillage, Nana Ketchup ressemble à un garçon. Quand le blanc là a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Il a fui. Il a chassé la femme là. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, Nicky Menga s'est poumonné pour la survie de sa famille avec Fally Ipupa. À ce moment-là, Nicky faisait tout pour que Fally soit bien. C'est la femme là maintenant que vous insultez. La femme qui a supporté la galère de Fally Ipupa. Nana Ketchup n'a pas supporté la galère puisque pendant la galère de Fally, Nana Ketchup était partie dans les foyers des blancs. Et maintenant vous pensez que Fally est content d'avoir une femme qui a quitté le foyer pour venir chez lui? Vous pensez qu'il est content pendant qu'il a une femme qui l'a supporté pendant les galères, qui est toujours là? Vous pensez que c'est normal? Et vous applaudissez pour ça? Maman, tu ne connais pas l'histoire de Nana Ketchup. Il faut suivre les vidéos de Sarah Tola, toutes les vidéos de Sarah Tola, pour mieux comprendre ta patronne. Si elle t'a envoyé pour appeler Nicky Menga, la poubelle, dis à elle que moi j'ai dit qu'elle a couché avec un blanc pendant que Fally était dans la galère. Elle a fui Fally pour aller se chercher. Aujourd'hui, je vous parie, si Fally était encore pauvre, Nana Ketchup ne serait jamais avec Fally. Nana est avec Fally à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'amour, c'est l'argent. Tout le monde le sait, c'est l'argent. Puisque si elle était bien installée, si elle était bien coincée là où elle était avec blanc, vous savez, il y a beaucoup de femmes ici. Quand elle est avec blanc, je vais donner l'exemple d'une femme ici. Son nom c'est qui? NK de Bundes. Tellement qu'elle a un blanc, elle a un blanc. Elle parle chaque jour, dit moi j'ai un blanc. Chaque jour sur les réseaux sociaux, c'est un blanc. Pendant que votre patron là avait aussi, elle était aussi complexée de blanc. Elle était partie chez les blancs parce qu'elle était complexée. Pour elle, le blanc c'était. Imaginez-vous peut-être 20 ans passés, voir avoir un blanc c'était de luxe peut-être pour elle. C'est pour ça qu'elle était partie. Mais tellement que les blancs ne l'ont pas aimé puisqu'elle a voit l'argent en Afrique chaque jour. Et puis quand elle se réveille le matin, elle n'est pas vraiment belle, elle ressemble comme à un garçon. C'est pour ça que les messieurs là a fui. Même toi, Bomolo, est-ce que tu penses que tu es belle? Tu es devenue vieille, oui. Je sais que. Mais quand on voit ton nez, la façon ça pompe comme les cochons là, ça ce n'est pas beauté, hein? Maman, ça ce n'est pas beauté. Regarde Nicky Menga. Moi, je ne peux pas discuter. Prends seulement un mail. Moi, j'ai déjà vu MLTV, la vidéo là. Prends MLTV. MLTV, je ne sais pas, news. Elle te dépasse à beauté même. Toi, maman Bomolo. ML là, qui fait des vidéos là. Elle te dépasse à beauté. Je ne l'ai pas encore vu
debout là, ça se tenir debout, mais elle te dépasse avec la taille. Mais elle, quand elle aura ton âge, elle sera toujours belle. Même Fally peut la draguer. Mais toi là, retourne même. Fally ne peut même pas te draguer. Même si Fally aussi, à ton âge, ne veut pas te draguer. Mais la fille là, ML, Fally peut la draguer. C'est ça la réalité, parce qu'elle est belle, elle est jolie, elle est présentable. Tu la vois qu'elle est vraiment charmante, la femme là. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais parlé, mais je la vois à la télé, elle est jolie. Mais toi, maman, tu insultes les gens. Est-ce que tu as vraiment la capacité de te regarder dans tes vidéos? Tu es notre maman. Chacun est belle à sa façon. Mais quand on compare deux beautés, là, c'est là où on connaît qui est belle et qui n'est pas belle. Toi, maman, quand tu te vois, est-ce que tu es belle? C'est moi parce que tu as tes clairs. Tu penses que tu es tes clairs là, peut-être peut-être c'est aussi mauvais. Peut-être c'est mauvais. Les gens qui sont en Occident, ils se croient riches pendant qu'ils souffrent, souffrent, souffrent. La maman là que vous voyez, c'est pas Bomolo. La façon elle met des petites choses pour s'asseoir. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, la vraie vie, c'est comme ça? Vous pensez qu'en réalité, c'est comme ça? Nous, on connaît, on est ici au Canada, on connaît. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Ça, ce n'est pas. Ce sont des choses qu'elle met avant de faire des vidéos. Elle veut se montrer. C'est une femme qui souffre. Quelqu'un qui se montre. Une personne qui veut paraître. Qui veut paraître être. Ou bien qui veut être. Qui veut paraître comme elle est riche, comme elle est aisée. Ce sont souvent des pauvres. Souvent des pauvres. La dame là, elle souffre. C'est pour cela qu'elle est à chaque fois sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent. C'est ça la réalité. Vous êtes là pour insulter les gens. Vous venez seulement pour insulter les gens. Mais vous ne vous regardez même pas. Quand on fait les doigts comme ça, là, les doigts ici, ça fait un retour sur toi-même. Avant de dire que quelqu'un est poubelle, toi tu es comment? Quelle est ta vie que tu vis maintenant? Les mamans à Salakala, assez de Sayo, ba mama oye, ba bomolo. C'est elle qui veut donner aux gens les leçons morales. Ça doit être ça doit être cousine de Karine Mokonzi. Une maison comme Bomolo, là, ça doit être dans la famille de Karine Mokonzi. Les gens qui ont échoué la vie, tout le monde, ils sont des passoires. Tous les garçons peuvent être là. Les SDF, c'est là où ils vont séjourner. Mais c'est la dame là qui va venir donner les gens les leçons morales. Pendant qu'elle souffre mentalement, moralement, spirituellement, physiquement, elle souffre. Maman Bomolo, tu souffres. Je vais te dire la réalité. Tu souffres mentalement, physiquement, spirituellement. Tu souffres. Physiquement, tu souffres. Tu dois être malade. Tu souffres. Puisque à ton âge, tu devais donner les gens les cours comment mourir à paix. Tu devais donner les gens les cours comment survivre les crises cardiaques. Puisque tu as déjà l'air de crise cardiaque, tu commences à parler comme ça. Tu dois avoir des strokes, crise cardiaque. Au lieu de donner les gens des cours, comment gérer femme, comment gérer femme, vous les jeunes, comment gérer femme, comment gérer les hommes. C'est ça, c'est que toi tu devrais faire sur les réseaux sociaux. Pas ce que tu es en train de faire. Maman, tu as dépassé les limites. Moi je veux maintenant te donner éducation civique, éducation morale, éducation scientifique si tu le veux bien. Puisque à ton âge, tu ne dois pas parler des choses de sexe. C'est la femme comme toi là, c'est comme Marie-Laure. Vous allez parler de sexe, comment on fait les garçons. C'est ça ce que vous faites sur les réseaux sociaux. So, tu n'as même pas honte tellement que tu as baisé beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes. Tu as baisé toutes sortes de SDF du Canada. C'est maintenant là que tu veux nous donner coup de soir. Maman, tu dois grandir. Je m'excuse pour lâcher les mots ici parce que quand les mamans comme ça là, on se bat pour les mamans qui sont seules, les mamans qui se battent pour dans la communauté. Mais il y a des mamans qui ne comprennent pas qu'ils sont déjà vieilles. Il y a les combats qui ne peuvent pas s'engager dedans. Ah maman Bomolo, na pêche au manombo de bonne année si vous allez. Mais la maya pire, s'il vous plaît. Oza qui t'a côté, il faut que l'on va vérité. Tu n'es pas belle, il faut dire la vérité, tu n'es pas belle. Si Oza Kito qu'on a marqué, nous sommes mobile à Oza Kito, oui tu es Kito, moi je vais dire tu es belle. Mais quand je vais te comparer à une autre dame, tu n'es pas belle, elle va te dépasser. Parce que quand je mets par exemple Nana Ketchup avec Nani Oyo, Nicki Minaj,
Tout le monde sait que Nicki Minaj est plus belle que Nana Ketchup. Ce n'est pas mauvais. Nana Ketchup aussi est plus belle que toi. Donc, Nana Ketchup, elle est belle par rapport à toi. Elle est belle. Maintenant, quand vous appelez quelqu'un poubelle, je suis en train seulement de récapituler ce que tu as dit. Si tu appelais les gens poubelles, écoute, tu as dit poubelle. Maintenant, toi là, si tu es comparé au lit de l'hôtel, soit au lit de l'hôpital où tous les patients y arrivent, est-ce que tu es vraiment bien positionné pour critiquer les gens? La vidéo, le deuxième version, ça arrive. Je dois partir quelque part. Je n'ai pas beaucoup de temps. Malheureusement que je n'ai pas fini ma vidéo. Attendez le volume D. Si je vais visiter ta vidéo, si tu insultes encore Nicki Minaj, je vais venir. Mais je t'aime trop, comme montre maman. Je t'aime bien, je t'embrasse. En tout cas, là où tu es. Vous, les gens qui aiment les bonnes analyses, partagez la vidéo, commentez, likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous aime trop. Je vous embrasse avec... Bonne année, Mama Bumolo.